Bonjour, lors d'un séjour en famille au Mont-Saint-Michel, nous avons eu l'honneur d'aller déguster une omelette chez la mère au poulard. Nous allons essayer pour ce second tuto de s'en approcher avec une recette qui est très simple et rapide à exécuter. Pour commencer, les ingrédients. 4 œufs, 25 g de beurre et 1 dl de lait, du sel et du poivre. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc après avoir cassé nos 4 œufs, nous allons les battre. Et c'est là tout le secret de la recette. Il faut arriver à incorporer un maximum d'air pour avoir un mélange qui va être très très mousseux. Donc à la main, ça prend un certain temps, mais vous pourrez, si vous le voulez, le faire avec un batteur électrique. C'est pas la tradition, mais ça marche aussi. On va faire un peu le montage en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder. Nous allons maintenant incorporer notre lait. Et continuer à battre. Un salon de poivre. Voilà, nous avons notre mélange qui est mousseux et qui tient sur le fouet. Nous allons maintenant passer à la cuisson. Donc, on va faire fondre notre beurre dans notre poêle. Quand le beurre est bien chaud, on va y verser notre préparation. On va rester à feu vif pendant une bonne minute, le temps qu'elle se colore au-dessous, qu'elle se saisisse, et on baissera le feu par la suite. Là, le temps est en accéléré pour ne pas patienter. Il y a bien 5 minutes de cuisson, sinon, en principe. Il faut en fait que l'omelette ait les bords qui se décollent de la poêle. Et quand elle ne collera plus au fond, c'est qu'elle sera cuite. Elle est cuite, il ne reste plus qu'à dresser dans l'assiette en la pliant en deux. Il faut faire doucement de ne pas la casser. Et voilà, une omelette bien mousseuse. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne. Au revoir, bon appétit !